C'est suite à une plainte parce que qui n'a rien à voir avec moi. Parce que lorsqu'ils m'ont lu la plainte au niveau de la gendarmerie, tout le monde a trouvé ça un peu ridicule parce que c'est pas moi qui ai dit aux gens qu'ils étaient sorciers. Pas moi. C'est un centre où nous prions, où nous libérons les sorciers. Il y a des personnes qui ont été incitées dans une confrérie. Il y a un d'entre eux dont le nom m'échappe parce que je ne les connais même pas. Lui-même, il reconnaît que c'est pas, ça ne vient pas de moi. Il reconnaît que ce n'est pas moi qui l'a cité. Qu'il est quand il est venu me voir, je lui ai dit que la révélation ne venait pas de moi. Mais lui, sa manigance, c'est quoi? C'est de me chasser. Ils veulent faire, puisqu'il y a des gens derrière. Ils veulent que. Donc, ils posent une plainte depuis la justice. Ils m'ont entendu. Mais les gens ont vu que ben, moi, j'ai donné mes faits. J'ai dit, moi, nulle part, je combats personne. Je suis là pour, n'est-ce pas, que les gens retrouvent leur sourire et leur joie. Depuis que je suis à Zaroko, le constat est fait. Jamais je n'ai torturé un sorcier. Jamais je n'ai détruit des gens. Je suis à Zaroko depuis que je suis à Zaroko. Vous avez une intervention du chef et le propriétaire terrien. Jamais je n'ai. Au contraire, j'ai aidé des gens. Même la scolarité des élèves, ils le savent. Je les ai aidés ici. J'ai organisé arbre de Noël. Je donne à manger aux veuves les veuves ici. C'est vrai. Voilà, des veuves ici. Nous en sommes témoins. Voilà, tous. Donc. Le prophète, ma présence ici, c'est de permettre aux gens de connaître véritablement la vie véritable. D'ailleurs, je ne suis pas contre quelqu'un, mais je pense plus qu'on ne combat pas Dieu. C'est ce qu'il a dit. Quand quelqu'un vient au nom de Dieu et quand tu te lèves contre lui, c'est Dieu. Donc, je vous dis, c'est Dieu que vous avez provoqué. Ce n'est pas Crasso. Moi, je suis là par rapport à Dieu. Mais le Dieu que je prie, ce n'est pas un Dieu mort. Donc, il va réagir. Il va réagir. C'est le Dieu Yahweh. Le Dieu d'Israël qui donne la vie aux morts. Je n'ai pas amené quelqu'un de Bakako ici. C'est vous qui êtes venu, parce qu'on vous a cité, vous êtes venu démentir. Et à cette rencontre, il y avait le chef de Zaroko, et il était témoin. présent, et le chef de Témoin Zaroko, il était témoin. Oui. Et le chef de village, lui aussi était témoin. Il était aussi témoin. Et le chef du village de Bakako était témoin. Oui. Maintenant, on règle une affaire, et puis c'est moi, vous envoyez des convocations par-ci, par-là, et vos enfants, ce monsieur-là, un enfant qui est lieutenant, une fois, qui m'a insulté à Bakako, il m'a insulté comme chien pourri. Mais oui, dans ma voiture, mais il était là le lundi, même à la gendarmerie. Ah bon? Mais oui, il était là. Mais elle, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent forcément que le prophète Crasso quitte. Moi, je n'ai rien à voir cette histoire d'établir, c'est sorti ici, j'ai prié. Pour ne pas que les choses arrivent, parce qu'ils ne sont pas là pour que les gens meurent. Mais vous avez déclaré la guerre à Dieu. C'est pas moi. Moi, je prie Dieu. Vous me traitez de tout nom. Mais si moi, je ne prie pas Dieu, l'affaire va rester comme ça. Mais si je prie Dieu, le Dieu de Yahweh, le Dieu d'Israël, mais c'est vous qui aurez honte. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Voilà. C'est vous avez provoqué une guerre contre Dieu. Le Dieu d'Israël, qui a sauvé Zaroko, qui continue de bénir Zaroko. Il y a des preuves. Et vous voulez vous combattre Dieu. On ne combat pas Dieu. Il a dit, si cette pierre, je bâtirai, et les seigneurs du monde ne préviendront point contre elle. Dieu est en train de bâtir une armée. Dieu est en train de bâtir son église à Zaroko. Et vous, les individus, vous voulez combattre cette œuvre. Vous savez pas que le Dieu que nous prions, le Dieu de justice, moi, je n'ai pas mis quelqu'un en justice. Je n'ai pas mis quelqu'un en justice. Je ne veux même pas qu'un sorcier fasse de la prison. La preuve, c'est que les gens qui font la prison, que le sorcier vient d'être délivré. Et c'est moi, homme de Dieu, que vous convoquez à une justice. Le Dieu d'Israël va nous rendre justice. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Vous avez provoqué Dieu. Vous allez le trouver. Merci. Voilà. Donc, chef, c'est un mot de fin. Nous allons terminer. En fait. Voilà. Oui, bon, maintenant nous avons fait un peu le tour de l'urgence. Oui. Mais ce que je demande au Sauveur de nous aider par la voix du prophète Joël Crasso pour que le village soit dans la paix. Amen. Et afin que tous ces sorciers soit au moins guéri pour laisser leur méchanceté. Ils l'ont laissé. Ils ne mangent plus. Amen. Ils ne mangent plus, chef. Ils ont fait sur cela qu'ils ont dit. Entre parenthèses, oui. Je vous signale que depuis 3 semaines, ma femme est hospitalisée à Divo. Ah, d'accord. J'aurai l'occasion de la rendre visite. Merci. Voilà, donc, shalom, que Dieu bénisse. Merci.